jour et merci de nous faire confiance au sommaire de ces mardis. À Budapest, le président de la République a dénoncé l'agression rwandaise sur le sol congolais lors d'un point de presse co-animé avec le Premier ministre hongrois. Ce dernier a réaffirmé la volonté de son pays d'investir en RDC de Mo à suivre dans cette édition de Mo également à la une de ces mardis. L'Africain doit aimer l'Afrique, nous devons tourner la page de la guerre. Le président de la Chambre basse de la RDC l'a dit à Abidjan, Vital Kamerhe Lokanyenyeni, et en mission diplomatique pour partager sa vision sur le développement de l'Afrique. Et puis, cette autre déclaration qui fait la une de l'actualité, la révision constitutionnelle n'est pas une mauvaise chose pour le bon fonctionnement du pays. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, opte pour la révision constitutionnelle. Vous l'écouterez dans le corps de ces journaux. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre et rendons-nous tout de suite à Budapest où le président RD Congolais a échangé avec le Premier ministre hongrois, investir en RDC dans le secteur de l'économie, de l'agriculture et des infrastructures. L'agression rwandais sur le sol congolais, les deux personnalités l'ont évoqué lors d'un point de presse. Blandine Zovo. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Viktor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale: l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier des principaux soucis que nous avons en ce moment qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal. C'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement
insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup de qui a des potentialités et offre beaucoup de, d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux parties. Restons toujours à Budapest, le garant de la nationalité, également reçu par son homologue au palais présidentiel, marqué par un tête-à-tête à l'Assemblée nationale. Le président Félix Tshisekedi a eu deux entretiens fructueux. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur haute marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays, et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kovács, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie,
Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Chapitre prénom, ces mots prononcés à Abidjan par le président de la Chambre basse du Parlement au Congolais. L'Africain doit aimer l'Afrique, nous devons tourner la page de la guerre. Les autres détails dans ces résumés d'Anim Balaka. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bi Togo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bi Togo va conduire sous peu dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali, parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et pour nous, nous disons, il est aberrant et même incompréhensif qu'un pays africain attaque un autre pays africain. Nous voulons faire le développement ensemble pour que l'Afrique s'élève et marche. Cette Afrique de Oufoué-Boigny, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Modibo Keïta, c'est l'Afrique qui aime l'Afrique, l'Afrique se concerte avec l'Afrique. C'est une ambition de l'Afrique et pour le bien de son peuple. Pour Adama Bi Togo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa, où il a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale, non seulement entre leurs deux États, mais entre tous les pays d'Afrique pour faire rayonner ces continents et les lancer vers la voie du développement main dans la main. En RDC, le vice-premier ministre de l'Intérieur a lancé le travaux de la 9e édition de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation de frontières. Depuis hier, lundi, deux experts de deux pays discutent à ces sujets. Bobo Mukondi. La 9e session de la commission technique mixte sur la gestion des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo a ouvert ses portes. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani, qui a lancé ses travaux en présence de son collègue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirembulou. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils sont condamnés à vivre ensemble, d'autant plus que tout au long des deux rives, ainsi que sur la frontière terrestre, nos populations ont une histoire commune. Pendant deux jours, les experts de deux capitales les plus rapprochées au monde vont s'étaler sur les questions relatives à la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. C'est aussi un cadre approprié afin d'aplanir les divergences entre les deux pays. Il ne s'agit pas de créer des barrières, mais bien de faire de ces frontières, des passerelles, des espaces communs de coopération frontalière où devaient se développer les échanges commerciaux. Longue de 1550 km, dont 350 km terrestres et 1200 km de voies fluviales, ainsi que la rivière Ubangi. Cette frontière est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga du 22 novembre 1885. Justement, la démarcation en partie dans cette région de Manyanga est visible à partir de bornes érigées en 1954. Hier à l'Assemblée provinciale, la session ordinaire de septembre, une session consacrée à l'examen du budget de la province exercice 2025. Mimi Etaka.
En présence de l'autorité provinciale de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, ainsi que tous les corps constitués, le président de la première institution, Delcy Mata Delcy, a de prime abord rendu un hommage déférent au président de la République pour la restauration d'un état de droit et de paix, s'agissant de l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette session budgétaire. L'honorable président a martelé sur le dépôt d'un budget conséquent. La session budgétaire pour les assemblées provinciales court du 30 septembre au 30 décembre. Elle dispose d'un 20 jours pour se prononcer sur le projet de budgétaire de l'année, y compris les états des documents pour les articles 176 et 178 de la présente loi sur les finances publiques. Le président Delcy Mata Delcy a émis le devoir. Le gouvernement provincial être investi dans le délai. Et au patron de l'exécutif d'effectuer des itinérances dans l'arrière-province. Notons à cette cérémonie la présence d'une forte délégation de notables et membres de la société civile du territoire de Makanza venus spécialement insister sur la prise en compte de leur territoire dans ces budgets exercice 2025. Dans l'actualité également, le lauréat de l'École nationale de finances de la promotion 2010, pris en charge par le Trésor public, concrétisant ainsi la vision du garant de la nation qui place le bien-être des citoyens au centre de son action. Sylvie Moyembo. La communion était au rendez-vous entre ses lauréats et l'argentier national. Doudou Fouamba Likoundé Libotaï a eu le temps de converser avec ses lauréats qui lui ont prié de transmettre leurs sentiments de gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication dans le dénouement de cette affaire qui aura duré 14 ans. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à son Excellence Doudou Fouamba pour la mise en service de tous les lauréats. Ceci va renforcer l'efficacité et la performance des services publics. Je suis très heureux de vous voir ensemble aujourd'hui, dans la joie, en train de célébrer et de penser à tous ces moments difficiles que vous avez traversés. Vous ne devez pas décevoir les chefs de l'État. Soyez des fonctionnaires dignes. Merci. Conformez-vous au code de bonne conduite de l'agent public. Merci. Et à la loi portant statut de l'agent de service public de l'État. Ainsi, le chef de l'État sera fier de nous en tant que citoyens. Et notre peuple que nous servons aura bénéficié des meilleurs services de qualité de la part des fonctionnaires dignes, bien formés, à même de rendre les loyaux services à la nation. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé Libotaï, a exhorté les lauréats à mener une lutte acharnée contre le tribalisme et la corruption et de se conformer au code de bonne conduite. Autre grand titre de ce mardi, la RDC et l'Arabie Saoudite renforcent leurs relations dans le domaine du tourisme. En marge de la journée internationale du tourisme en Géorgie, le ministre congolais a exploré les modalités d'un partenariat basé sur la formation. Cédric Yenina. Des relations qui ont toujours existé et qui aujourd'hui explorent d'autres horizons, les secteurs touristiques. Un accord important est en voie d'être signé entre la République démocratique du Congo et l'Arabie Saoudite dans le but de renforcer les compétences dans les secteurs touristiques congolais. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre Didier Pambiamusanga, vice-président du Conseil exécutif de l'ONU Tourisme, ministre de la RDC du Tourisme, et Ahmed El Kateb, ministre saoudien en charge du tourisme. Un échange en marge de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, à Tbilissi, en Géorgie. Le ministre Didier Pambia a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration, soulignant par ailleurs l'importance de former les acteurs du secteur touristique. La formation des personnes impliquées dans le secteur du tourisme est très importante pour développer le secteur. Nous avons quand même certaines difficultés à trouver des personnes
qui peuvent bien opérer dans ce secteur. Il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cet accord qui sera signé incessamment. Le ministre saoudien du tourisme, qui est aussi président du conseil d'administration du Fonds arabe, a fait part de la volonté de ces fonds d'investir au-delà du tourisme dans plusieurs autres secteurs, notamment celui des infrastructures, de l'énergie et des nouvelles technologies. Dans un autre registre, lors d'une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1, Kananga, Chikapa et Kalamba Mbuji, le gouverneur du Kasaï central, a salué l'avancement de travaux. Les avancées significatives sont perceptibles sur les chantiers de la route nationale Kananga-Chikapa et sur Kalambambouji. La descente de l'autorité provinciale s'inscrivait dans le cadre de ces visites d'inspection des travaux qui s'exécutent sur différents chantiers pour s'imprégner de réalité et surtout de se rassurer que les choses se passent bien. De Kananga à la rivière Miao, le chef de l'exécutif provincial a dégagé sa satisfaction de voir être débutés les travaux d'asphaltage à partir du secteur de Matamba par l'entreprise Arab Contractor. Même impression exprimée sur la route Kananga-Kalambambouji, où ce sont les travaux d'ouverture de la piste avec la suppression de points chauds qui sont en cours, une étape cruciale avant le traçage des lignes de caniveau qui a réjoui les gouverneurs du Kasaï central. Et à lieu d'être positif après ce que j'ai vu se faire, avec Arab Contractor, c'est la poursuite des travaux d'asphaltage, en tout cas fait de manière professionnelle. Après tous ces grands travaux de canalisation, je pense qu'ils vont nous donner de bons ouvrages. Du côté Kalambambouji, j'ai trouvé que les travaux qui ont effectivement commencé comme je l'avais annoncé évoluent aussi. Ils sont en train d'ouvrir complètement la route et l'agrandir avant les débuts des grands travaux à assurer les numéros 1 du Kasaï central. Déjà à ce stade, ces travaux constituent un motif de joie pour les usagers qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Nous avions beaucoup de difficultés pour traverser sur ce pont. Nous, conducteurs de moto, avions toujours besoin de 4 ou 5 personnes pour aller au-delà. Les véhicules étaient tirés par un tracteur et ce, à 5000 francs congolais. Mais actuellement, nous traversons paisiblement avec nos engins, sans difficulté. Sur son passage, Joseph Moïse Kamboulou s'est fait également écho des difficultés éprouvées par ses citoyens qui ont notamment dénoncé les tracasseries l'air infligées par le policier piqué à l'ancien pont jeté sur la rivière Miao, des soucis réels auxquels l'autorité provinciale a trouvé des solutions urgentes. C'est une action qui va changer le vécu d'un enfant ayant de malformations physiques et déficit mental depuis sa naissance. Le gouverneur militaire de l'Ituri a répondu aux cris de détresse de ses parents et il a décidé de l'envoyer à l'étranger pour de soins appropriés. Geste de charité qui chauffe le cœur des habitants de l'Ituri. Retour en image. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, coiffé en béret vert, lunettes fumées, en tenue bariolée, le lieutenant général Luboyanka Shomajun a pris en charge cet enfant souffrant depuis sa naissance après les larmes qu'avait fait couler sa maman juste en voyant le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri amorcer sa traditionnelle marche pédestre dans la ville. Ensuite, dans le fin fond de la commune de Chari, cette partie devient de plus en plus sécurisée. Pendant le temps de siège, le gouverneur Luboya y a sillonné et a redonné espoir à cette fillette. Qui t'amène à l'école le matin? C'est papa. C'est tonton qui t'amène. C'est papa. C'est papa qui fait les chants là-bas. La stabilité observée en commune de Chari actuellement n'a pas laissé indifférente cette maman. Tous ces exercices permettent au gouverneur de l'Ituri de prélever la température de la situation sécuritaire et inspecter le travaux de la voirie dans le chef-lieu de la province de l'Ituri. Vous avez certainement reconnu la voix de Junior Selemani. Au sud, Kivu, IPAS, mène un plaidoyer pour l'accompagnement des autorités sur l'application du protocole de Maputo.
prévenir la transmission de maladies digestives telles que le gastro-entérité saisonnière, mais aussi de maintenir un accès propre et sécurisant. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa passe aussi dans des écoles qui sont choisies par le réseau d'assainissement d'hygiène et prévention sanitaire contre les maladies. Cette structure, affiliée au ministère de la Santé publique, vient d'effectuer une descente dans quelques écoles de la ville-province de Kinshasa. Le district de Mouamba était aussi la bienvenue pour la visite de quelques écoles. Une activité qui suscite de la joie dans le chef de l'établissement, des enseignants et parents, apprenant de sages conseils donnés aux autorités scolaires qui ont appelé à garder propres les installations sanitaires. Le coordonnateur national du réseau, Tango Mouyan Antoine, compte poursuivre les activités dans des écoles de district de la Tchango. Vous avez suivi avec nous l'assainissement des écoles par le réseau de jeunes à Kinshasa, je le disais tantôt, au sud Kivu. Aipas mène un plaidoyer pour l'accompagnement des autorités sur l'application du protocole de Maputo. Le monde a célébré le 28 septembre 2024 la journée mondiale en faveur de la dépénalisation de l'avortement et au site Kivu, l'organisation internationale AIPAS mène un plaidoyer au niveau provincial pour l'accompagnement des décideurs à l'applicabilité de la pénalisation de l'avortement selon le protocole de Maputo en vigueur en République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du site Kivu est prêt à accompagner AIPAS pour l'aboutissement du dit protocole de Maputo qui vise à faire des avortements sécurisés aux femmes violées, aux femmes qui sont dans les cas d'inceste, mais aussi des femmes porteuses des grossesses qui peuvent nuire. Le ministre provincial de la Santé, qui a ouvert et clôturé la conférence, exhorte les participants de s'approprier cet accord de Maputo et il recommande aussi d'aller faire des sensibilisations chacun en son coin. Plusieurs panélistes sont passés tour à tour sur le mouvement des jeunes, sur le relais communautaire, la prestation de soins et l'officier de la police judiciaire a chuté avec cette présentation. AIPAS a déjà sensibilisé au sud Kivu plus de 52 597 personnes, dont 70% des femmes en âge de procréer, plus de 1962 cas d'avortement sécurisé, a précisé le docteur Moïse Moussa Biamongou du AIPAS Sud Kivu. Au nom des participants, Madame Marie Migani de la société civile a remercié AIPAS et a rassuré cette organisation internationale que tous les participants feront tout pour que toutes les couches de la population s'alignent sur cet accord de Maputo qui sécurise la vie des femmes. Je le disais en titre, promulgué en 2006 pour certains, l'actuelle constitution de la RDC date et contient plusieurs lacunes dans l'opinion. L'idée de sa révision fait déjà l'actualité pour le secrétaire général de l'UDPS. La révision constitutionnelle n'est pas une mauvaise chose pour le bon fonctionnement du pays. Alain Picaille. En tournée de réarmement moral dans les quatre fédérations de son parti de la ville de Kinshasa, les Mouamba étaient la dernière étape de la descente du secrétaire général de l'UDPS à la base. Sur place, le président intérimaire de l'UDPS a invité la base de son parti à l'amour et à l'unité pour accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement. De ces faits, les numéros 1 de l'UDPS s'insurgent contre ceux qui cherchent à dénaturer les propos de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la révision constitutionnelle. Pour faire face aux détracteurs de Félix-Antoine Tshisekedi, le secrétaire général alerte la base de son parti à ne pas se laisser distraire par les critiques stériles et les injures des détracteurs de leur autorité de référence qui était derrière la tempête qui avait secoué les partis des Sphinx de l'UMETE pendant 3 mois. Concernant la question de la révision constitutionnelle, des chefs d'état-major politique de Félix-Antoine Tshisekedi et coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation est favorable à cette démarche. S'appuyant sur son expérience d'informateur, Augustin Kabuya fustigeait les temps qu'il faut pour la mise en place du gouvernement. Révision constitutionnelle, et ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
pour que le président de la République nomme son premier ministre, il doit attendre la fin des comptations électoraux à la Cour constitutionnelle, la désignation d'un informateur qui doit prendre des mois pour dégager la majorité et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une situation qui freine le fonctionnement du pays à cause de la crise que contient la Constitution. Moyoka qui n'a pas au Sénégal, président du Minero, Gobi a nommé premier ministre Naïm. Entre autres éléments que les députés nationaux du Mouamba démontraient, que le mandat du chef de l'État est de 5 ans sur pied de l'article 70, mais en réalité, il ne travaille que 3 ans. Politique toujours, trois mots au menu d'une rencontre politique de membres du parti politique Ma Part pour le Congo, le patriotisme, l'égalité et le développement. Yvette Mankoutima. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les partis politiques, Ma Part pour le Congo MPC, avec cette consultation de toutes les couches du parti, intervenue à la suite de la nomination du nouveau président intérimaire, Espérant Kamanda. C'est procédé de donner à tous les membres l'occasion de s'exprimer sur le fonctionnement du parti est une stratégie qui va insuffler un nouveau souffle pour la redynamisation de cette formation politique MPC. L'honorable Espérant Kamanda, qui a pris les bâtons des commandements de ses partis, lui légué par Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi, qui en est le fondateur, reste déterminé à apporter le changement. Un appel à tous les membres, tous les cadres, tous les Congolais qui sont disponibles, qui veulent faire la politique avec nous, de venir passer au conseil. Nous sommes ici pendant 5 jours. Nous voulons relancer le parti sur de nouvelles bases. Plusieurs cadres du parti présents à cette manifestation, parmi lesquels les ministres provinciaux de l'éducation, culture et arts, tourisme et coopération interprovinciale ont lancé un appel collectif à l'endroit de tous les membres pour la fidélité et la loyauté. Donc je suis venu participer à l'activité lancée par le président national. À l'issue de cette manifestation, tous les membres MPC ont affiché la détermination de respecter la devise du parti qui se résume dans les patriotismes, égalité et les développements. Éducation, avant de prendre la revue de presse Jean-Pierre Ndolo de Mazo, 153 étudiants de l'ancien système et 252 lauréats du nouveau système ont été lancés sur le marché d'emploi à l'université de Monédintou. La double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 de l'Université de Monédintou a connu plusieurs temps forts ce samedi 28 septembre 2024 dans son site situé dans la commune de Moussadi. Devant une foule immense composée des membres du conseil de sécurité, du personnel scientifique et académique, le secrétaire général académique de cet alma mater, le professeur ordinaire Gilbert Moussanga Mouinya Walianga, a présenté le rapport académique suivi du discours de la politique de l'institution prononcé par les recteurs de cette université officielle, le professeur Tshibang Mwamba Innocent. Voici une opportunité pour moi de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, de la paix et du bon fonctionnement des institutions de la République. Le moment pathétique, c'est la collation des grades académiques des étudiants de l'ancien et nouveau système, respectivement 153 et 252 lauréats ont été lancés sur le marché d'emploi, toutes facultés confondues. Ce, en présence de l'autorité urbaine et du garant de la coutume Kanyok. Une particularité, deux nouvelles filières, notamment l'agronomie et la médecine vétérinaire, ont lancé leur première promotion de lauréats sur le marché d'emploi. L'Université de Monédintou, UMD, tient à respecter le calendrier pour sa rentrée académique prévue pour le 28 octobre prochain. Avant de prendre la revue de presse comme annoncé, prenons ces communiqués du ministère provincial de partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises. Le ministre provincial en charge de partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises informe à toute la population quinoise en général et aux opérateurs économiques évoluant dans les secteurs de l'entreprise privée, public, commerce et artisanat, en particulier que la vente de la patente exercice 2024 sera officiellement
lancé incessamment à cet effet. Il est strictement interdit à tout agent de l'entreprise privée, public, commerce et artisanat de procéder à une quelconque opération de vente de la patente avant son lancement par son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. S'est communiqué et de stricte observance. Fait à Kinshasa le 27 septembre 2024, Fiston Lou Okwebo. Prénom spécialement pour vous, la sélection des journaux parus c'est mardi à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo-Demazon. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Prise en charge de la maladie de Mpox au Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, l'UNICEF disponibilise 80 tonnes de médicaments, titre le potentiel. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC, l'acte posé lundi 30 septembre 2024 à Goma répond aux besoins sur terrain au regard des statistiques alarmantes en ce qui concerne les cas des enfants affectés par cette maladie en RDC. 60% des cas de Mpox en RDC concernent les enfants de moins de 15 ans et 80% de décès sont des enfants. C'est une préoccupation majeure pour l'UNICEF de venir en appui au gouvernement congolais, surtout dans les zones de l'Est, a expliqué Mariam Silla, représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Le Nord Kivu se prépare à contrer la maladie à virus de Marburg en provenance du Rwanda, rapporte 7sur7.cd. Selon le journal, les autorités provinciales du Nord Kivu ont pris des mesures préventives face à l'épidémie de la maladie à virus de Marburg qui a déjà causé 6 décès au Rwanda voisin. Une réunion s'est tenue entre le vice-gouverneur du Nord Kivu, le chef adjoint de la MONUSCO et le représentant de l'OMS en RDC pour discuter des actions à mettre en place. L'objectif est de protéger la population locale et d'éviter que cette maladie ne compromette les efforts en cours contre le Mpox. Choco flambée des prix des denrées alimentaires à Kisangani, en cause notre vraie thématique, la dégradation de la route nationale numéro 4. L'augmentation résulte d'une pénurie provoquée par la détérioration des marchandises des commerçants qui pourrit son cours de transport vers la ville en raison de la dégradation de la route nationale numéro 4. Avec la tombée des pluies, cette route en terre entre Kisangani et Beni est pleine de bourbiers devenus très boueux, rendant la circulation très difficile. Meurtre d'un journaliste à Goma, deux présumés auteurs aux arrêts, titre dépêche.cd. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en RDC, est en émoi suite au meurtre d'Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria, survenu le 27 septembre dernier. Le lundi 30 septembre, les services de renseignement militaire ont présenté à la presse deux hommes suspectés d'être impliqués dans ce crime odieux. Il s'agit de Diène Bahouma, un chauffeur de tricycle, et un complice identifié sous le nom d'Elisha Emedi, alias Mamadou. Madame, monsieur, c'était un journal de la rédaction écrit par Plamedi Kabanga, Agap Makinou, Déborah Kobe, Maria Bembo, stagiaire de l'UNICIS, de l'UNICIC plutôt, ex-IFASIC. À toutes et à tous, bonne journée.